Hey les gars, c'est Goku. Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek. Kamehameha. Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir le nouveau jeu Dragon Ball Fusion World. Vous le savez, le jeu de cartes avec la possibilité de récupérer vos persos en 3D sur la version digitale sur PC. Donc là, on va aller se faire un petit combat en classé. C'est mon tout premier combat en classé. Ça, il m'a déjà trouvé un adversaire. Alors les amis, je pense que je vais faire des erreurs de ouf. Je suis un débutant, d'accord? J'ai appris à peine mes règles là ce matin. Voilà, ça c'est masterclass. La carte du coup, le Goku en 3D qui apparaît, le Black Goku également. C'est pas mal ça, Black Goku. Hein. Alors, du coup, ça c'est mes cartes. Donc là, je vais garder ces cartes-là. Vous pouvez les changer également dans les règles. Tu as le droit de repiocher 6 autres cartes. Mais déjà, dans un premier temps, tu commences avec 6 cartes dans ta main. Vous avez des chiffres. 1, 1, 4, 3, 1, 3, entourés dans une bulle rouge. Ça, ce sont le coût d'énergie. Alors, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, voilà, on me demande de mettre une énergie. Alors, hop, je sais pas si je fais les choses bien ou pas, mais voilà. Là, voilà, hop, je vais mettre le Muten Roshi, je vais utiliser le Gohan en énergie. Voilà, j'ai mis un Gohan en énergie. Peu importe, vous mettez ce que vous voulez comme carte en énergie. Alors, faut pas faire n'importe quoi, mais voilà. Et là, du coup, je confirme mon choix. Voilà, j'ai mis Muten Roshi sur le terrain pour ensuite attaquer tout ça par la suite. Là, maintenant, c'est à lui. C'est à lui de se préparer. Donc là, c'est pareil, il a ses cartes, etc. Le but, les amis, il ne faut pas se retrouver vraiment à court de cartes, d'accord, pendant la game, parce que sinon, tu es dans la sauce, d'accord. Il y a un système de combo, etc. Je vais essayer de vous expliquer ça. Moi, je préconise, comme j'ai pu le faire, faites le tutoriel. Alors là, actuellement, la bêta, c'est que de l'anglais, que version japonaise également. Donc là, j'ai mis en anglais. J'ai pris le tutoriel. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris mon téléphone et j'ai tout traduit en français pour bien comprendre. Si vous faites ça, vous normalement, vous comprendrez. Mais prenez le temps. J'ai mis 1h30 pour bien capter. Et après, c'est bon, ça l'a fait. Si vous le faites pas, je pense que vous allez être dans la sauce. Donc là, il m'a mis un petit Trunks de 30 000 d'attaque, hein. C'est pas rien, 30 000 d'attaque. Moi, le Muten Roshi, il a 5 000. C'est pas foufou, tu vois. Donc là, il veut m'attaquer mon Goku. Alors, je peux contrer, mais je pense que je vais pas contrer. Bah, en plus, voilà, il met un combo, frère. Donc là, il a rajouté une carte. Il a pris plus 10 000. Donc là, il a 40 000 d'attaque. Moi, mon Goku, il a que 15 000. Je pense que je vais prendre des dégâts. Vous avez 8 points de vie. Vous avez vu, il y a marqué Life. Il y a le chiffre numéro 8. Ça, ce sont vos points de vie. Faut savoir que là, il va me taper à 40 000 et j'ai que 15 000. Et forcément, boum, il m'a fait sauter un point de vie parce que j'avais pas assez de points sur les 15 000. En gros, il aurait fallu j'ai 45 000 pour pouvoir tanker. J'ai pas pu tanker, donc ça m'enlève un point de vie. Et après, je récupère du coup une carte. Là, voilà, hop, je la mets en énergie. Du coup, hop, je remets encore un autre Muten Roshi. Ça me coûte une énergie. Vous avez vu les énergies qu'on avait sur le côté, elles apparaissent, vous sélectionnez. Maintenant, j'ai deux Muten Roshi. Là, ça commence à être intéressant. Parce que là, du coup, je peux attaquer avec le Goku. Donc là, hop, il n'a pas de carte devant. Donc, je vais attaquer avec le Goku. Vu qu'il a 15 000... Attendez, je regarde que je fasse pas n'importe quoi. Voilà, hop, j'ai rajouté. Voilà, tac. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait. Hein. Bon, les amis, je suis un gros débutant également. Hein. Je sais pas, en fait, si j'ai bien fait de mettre cette carte-là. J'aurais peut-être pas dû. Bon, bref. Je vais attaquer son Black Goku. Bam. Hop, voilà. Il a 15 000. Donc là, bim, je lui fais sauter un PV parce que j'ai 15 000. Donc, quand vous avez la valeur exacte ou plus, vous lui faites sauter un point de vie. Donc là, voilà. Donc là, il faut que j'attaque avec Muten Roshi. Je vais rajouter un combo. Donc là, par exemple, je vais prendre... Oh, merci pour les follows, soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Là, je peux rajouter un combo. Vous voyez, je prends la carte que je veux et je clique sur combo. Et là, ça rajoute 10 000. Donc là, je suis à 15 000. Je peux lui faire ressauter encore un point de vie parce qu'il a 15 000. Donc du coup, il n'a pas assez pour tanker. Il faudrait qu'il ait 20 000. Donc là... Et là, du coup, là, il va tanker parce que lui aussi, il s'est rajouté un petit boost. Ok, il a mis une carte qu'il avait en main. Il a mis le Trunks et du coup... Il a fait de la défense. C'est très bien joué. Parce que soit vous pouvez rajouter des cartes pour attaquer, soit vous pouvez rajouter des cartes pour vous défendre. Là, j'ai rajouté une carte pour retaper également. Comme ça, il y a les 5000 de Muten Roshi, plus du coup 10 000 encore pour taper. Donc là, si il ne rajoute pas une carte pour se défendre, il va prendre des dégâts. Et du coup, il rajoute des cartes. Mais c'est bien. Comme ça, il est en train de liquider ses cartes qu'il a en main. Tu vois? Hop, voilà. Ok, il a tanké. Très bien. Tour suivant, je confirme. Maintenant, c'est à lui.
Donc là, c'est pareil, il faut pas que je fasse n'importe quoi. Donc j'ai quand même deux Piccolo en main, la petite C18. Après, j'ai une carte, ce qu'on appelle la carte blanche, là, du Goku SCJ Blue en bas. C'est une carte extra. Ils appellent ça comme ça. Extra card. Ça, en gros, si je dis pas de conneries, c'est pour donner un boost. Non, c'est même pas donner un boost. Alors, j'ai encore du mal avec les passifs. Hein. Je crois que c'est pour détruire une carte qui a au moins une valeur de 30 000 sur le terrain. Par exemple, si jamais tout à l'heure il y avait son Trunks, s'il sera encore sur le terrain, 30 000, je pense que si je le mets, je crois que je détruis le Trunks ou un truc comme ça. Donc voilà, après, il faut connaître les cartes. Hein. Moi, je débute sur le jeu, je jouais même pas à Card Game. Juste voilà, j'avais quelques cartes, je faisais de la collection, mais je ne faisais pas de tournoi. Donc là, j'ai vraiment envie de découvrir parce que, avec cette version digitale, c'est franchement incroyable le fait de pouvoir faire sa collection de cartes en physique et récupérer ses cartes dans le jeu, là, comme vous pouvez le voir. C'est masterclass, avec les persos en plus en 3D, les persos leaders et tout, Goku, Black Goku, franchement incroyable. Donc là, attention, là, il va taper à 25 000, voilà. Là, ça, c'est masterclass, ok. Il m'a fait une attaque ultime, Kamehameha, 25 000. J'ai encore perdu un PV. Donc là, je suis à 6 PV, lui, 7 PV. Bon, ça veut rien dire, hein, de toute façon, au départ, les PV, voilà. Ok, j'ai Shin, hop, je vais le mettre en énergie. Donc là, j'ai 3 énergies à gauche. Vous avez vu, vous mettez ce que vous voulez comme carte, hein. Une carte est égale une énergie. Donc là, je peux taper. Voilà, ça m'a ramené une carte. Donc là, attends. Ok, donc je peux pas prendre la extra card. Hein. Voilà, hop. Je vais faire ça. Ok. Je tape. Bim! Il n'a pas de carte, donc il ne peut pas se protéger, ok. Donc voilà, bon, là maintenant, ça y est, ça lui a ramené une carte. Donc là, on est à 6 partout, 6 PV des deux côtés. Là, le skill. 30 minutes. Ah ouais, mais... J'ai fait n'importe quoi, les amis. Depuis tout à l'heure, je voulais vous montrer, mais là, il n'avait pas de carte. Donc là, en fait, j'ai utilisé ma carte pour rien. Je vous l'ai dit, je vais faire des erreurs de débutant. En fait, là, la carte, elle m'aurait permis... tout simplement de détruire une carte sur le terrain, si je dis pas de conneries. Bon, tant pis, c'est pas grave, c'est fait, voilà. Donc là, j'ai boosté le Muten Roshi. Comme ça, j'ai 15 000, et normalement, boum, il se les prend. Voilà, bim, et comme ça, il est à 5 PV. Ok, hop, je confirme. C'est un peu dur hein, d'expliquer, les amis, en même temps que je joue, mais voilà. On n'oublie pas, je vous le redis, le coût des cartes, pendant qu'il est en train de charger, le coût des cartes, d'accord. Par exemple, le Piccolo, le coût est de 3. Les C18, le coût est de 2. Vous savez, c'est la valeur qu'il y a dans la bulle rouge. C'est le coût des énergies. Et les énergies, actuellement, j'en ai 3 de côté, en bas, à gauche, d'accord. Il m'a mis un Gotenks, là, qui lui a coûté 3 énergies. Donc pareil, lui, maintenant, il n'a plus d'énergie. En haut à droite, vous voyez, il a utilisé ses 3 énergies, il a mis son perso 25 000 d'attaque, c'est quand même pas mal. Et je ne connais pas les passifs de cette carte. Donc je ne sais pas ce que ça peut faire ou quoi. On verra bien. Parce que du coup, je ne connais pas les cartes, donc c'est un peu embêtant. Donc là, par contre, là, ouais, là, il peut taper. Je le laisse taper. Je descends à 5 PV. À 4 PV, quand vous êtes à la moitié... Normalement, il y a 8 PV. Quand vous êtes à 4, le perso se transfo. Vous pouvez faire que votre perso se transfo. Donc moi, ce sera en SCJ. Lui, je pense que ça va être en Black Goku Rosé. Alors, hop, voilà, je vais booster avec la C18. Je mets un combo sur le Muten Roshi. Là, il est à 20 000. Ah ouais, putain, il est plus à 15 000. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Ah non! D'accord, ok, c'était pour... Ah oui, c'était pour... Putain, je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. C'était pour contrer, du coup, pour essayer de tanker. Ok, bon, n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, attendez. Là, ok, là, c'est une énergie. Donc là, hop, énergie, charge. Voilà, hop. Maintenant, j'ai 4 énergies. Je peux poser le Piccolo. Voilà. Faut pas que je fasse n'importe quoi, parce que j'aimerais pas perdre la game, quand même. Alors après, si j'ai à perdre, tant pis, mais... Pour cette vidéo, j'aimerais bien gagner, quand même. Donc là, hop, je peux attaquer. Il y a 25 000. 15 000 de PV là avec son Black Goku. Bah je pense que je vais faire ça. Alors soit il peut mettre le Gotenks. Ouais le Gotenks, mais il serait quand même à 25 000. Donc il se prend... Ah ok, 5 000, 20 000, bah il se fait quand même taper. Bah il a pas eu assez. Il a pas eu assez pour tanker. Donc il s'est fait taper. Maintenant j'ai le Goku. Je suis à 15 000. Bah je vais faire pareil. Parce que là je peux le taper. S'il met pas de la défense, une carte pour monter... c'est 15 000, bah il va se faire taper. Hein. Donc là, il est en train de réfléchir. Est-ce qu'il va tanker ou est-ce qu'il va se laisser taper? Parce que là, il est à 4 de PV. Hein. Ok, donc là, il est en train de réfléchir. Parce que j'ai 15 000, il a 15 000. Quand vous avez la même valeur... Ah, il se transfo! Ah bah là, il va plus avoir 15 000. Ah ouais, bien vu. Bah, en plus, je vous le disais, à 4 PV, tu peux te transfo.
Donc là, ouais, là, il passe à 20 000. Donc là, c'est la sauce. Là, du coup, il va contrer, il va se protéger. Il a même pas besoin de mettre de cartes. Pour le coup, ouais, j'ai oublié comme quoi il allait sans doute se transfo. Bon, c'est pas grave. Attendez, je regarde, moi, j'ai 5 PV. Lui, il a 4 PV. Il a 20 000, donc il va contrer, parce que moi, je vais taper à 15 000. Il a encore son Gotenks. En plus, il a rajouté 10 000. Là, il a 30 000. Bon, voilà, voilà. Je pense, il avait même pas besoin de faire ça. Hein. Il avait même pas besoin. Je pense qu'il fait des erreurs aussi. Hein. Hop, voilà, tour suivant. Alors, du coup, il a deux cartes, lui. Il a deux cartes. Moi, j'ai trois cartes. J'ai quatre énergies de côté. Il a trois énergies, lui, de côté. Il a son Gotenks, qui a 25 000, qui peut faire mal, qui peut détruire le Piccolo. Ok, et il a 20 000 avec le Black Goku rosé. Ok. Oh, il a mis le Vegeta, qui lui a coûté 4 énergies également. 20 000 plus 25 000. Là, ça commence à être sérieux. Par contre, il a plus de cartes en main. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que pour tanker et tout, il est dans la sauce. Par contre, là... Là, il me détruit la carte, si j'y laisse. Franchement, les amis, je sais pas, tu vois, moi, je suis débutant, hein. Bien sûr, j'apprendrai au fur et à mesure. Je vais laisser ma carte se détruire, parce que du coup, je préfère avoir des cartes, là... en main pour l'instant, vu que lui il est un peu dans la sauce, il a plus de cartes. Là c'est pareil, hein. Je vais me laisser taper comme ça. Après, j'ai 4 PV, je vais pouvoir me transformer en Super Saiyan. Comme ça, je vais vous montrer. En plus, là j'ai récupéré. Du coup, à chaque fois que vous perdez un PV, vous récupérez une carte. Hein. J'ai oublié de le préciser, ou peut-être je l'avais dit, mais je sais plus. Ok, du coup, là il va taper. Ok, à 30 000, 20 000, et il a rajouté un combo. Ok, il va taper à 30. Ouh, pas mal. Wouah, masterclass, les gars. Non, mais c'est incroyable, les gars. Un jeu de cartes qui a pris vie en jeu vidéo, c'est incroyable. Ok, donc là, maintenant, lui, il est un peu dans la sauce, parce que lui, il a plus de cartes, plus rien. Moi, par contre, je suis quand même assez bien servi dans ma main. Je regarde, j'attends qu'il valide. Voilà, maintenant, c'est à mon tour. Donc là, je vais mettre une énergie. Ok. Donc, attendez, je regarde, vas-y, hop, je vais mettre le Whis en énergie. J'ai 5 énergies. Je peux mettre, du coup, le Freezer, qui demande 4 énergies. Donc, j'ai choisi les 4 cartes hein, qui sont en énergie. Vous mettez ce que vous voulez à chaque fois, les cartes énergie, hein, les amis. Voilà, hop, du coup, il est à 30 000, le Freezer. Ça rigole quand même zéro. Là, je vais récupérer une carte et je vais me transfo. Hop, bim, oh. Super Saiyajin da. Voilà, hop. Donc, du coup, ça, c'est pas mal, parce que maintenant, je suis... monté à 20 000. Le Freezer, il est à 30 000. Je peux attaquer. Il n'a pas de carte en main. Je vais attaquer directement sur son Black Goku. Ça, ok, ça pour l'instant, je peux pas. Parce qu'il ne me reste plus qu'une énergie. Ok. Ça prend 5 énergies quand même. Ça prend 5 énergies quand même. C'est gourmand. Mais par contre, c'est pas mal. Bon, bref. Là, du coup, on va voir ce qu'il va faire. Bah, je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Hein. Parce que il a plus de cartes en main. Là, il est un peu dans la sauce, le copain. Mais tant mieux. Bim! Allez, mange! 30 000, Freezer, il t'a cabossé un peu. Et du coup, ça lui a fait perdre un PV. Donc, forcément, ça lui a donné une carte. Donc là, j'ai le Goku. Ok, bim! J'ai récupéré une carte. Donc là, je pourrais rajouter pour combo. Tu vois, pour boost, mais je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, les amis. Ok, comme ça, lui, il a utilisé sa carte sur le terrain. C'est pas mal. Il s'est protégé, mais il a été obligé de prendre une carte sur le terrain pour tanker. Et ça, c'est pas mal. Hop, confirmé. Let's go. Maintenant, c'est à lui de charger. Ok. Moi, je suis bien. J'ai quand même 6 cartes en main. 5 énergies de côté. Lui, 4 énergies de côté. Moi, j'ai 6 cartes en main. J'ai encore mon Freezer qui a 30 000 sur le terrain. C'est quand même pas mal. Alors, je tiens à préciser, c'est le deck de base. Hein. J'ai pris un deck à 400 gemmes, là, dans le jeu, et j'ai rien retouché. J'ai pas encore mis le nez là-dedans. Je veux juste déjà bien maîtriser le jeu, les règles, et connaître bien les passifs des cartes d'un deck. Ensuite, on passera à un autre deck. Il y a le deck Broly, il y a le deck Vegeta, il y a le deck Freezer. J'ai envie de tester tout ça. Pour l'instant, voilà, j'ai pris le deck Goku, et on verra par la suite. Alors, là, il va voir taper. Là, maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que moi, je vais pouvoir me défendre. Parce que là, tu vois, attends, skill, plus 5000, ok. Ok, faut que je clique là-dessus. Donc là, c'est plus 5000.
J'ai pas compris. Oh purée, je crois que j'ai fait n'importe quoi. Je pensais que ça allait rajouter plus 5000... Ah, c'est peut-être en frappe. Ça doit être en frappe et non pas en défense. Ok, bon, encore erreur de débutant. Donc là, voilà, je vais mettre cette carte comme ça, il monte à 30 000. Là, je vais tanker. Hop, c'est bon. J'ai détruit une carte, tu vois, mais au moins, ça m'a permis de tanker. Au moins, j'ai pas pris de dégâts, j'ai pas perdu de PV, c'est quand même pas mal. Parce que là, on est à 3 PV des deux côtés. Donc là, 20 000, 20 000. Là, s'il m'attaque, je perds un PV. Parce que quand vous avez la valeur exacte, comme je vous l'ai dit, voilà. En plus, ah ouais, il monte à 30 000. Hein. Il monte à 30 000. On n'oublie pas. Si je perds un PV, en plus, ça me resserre une carte. Donc, je vais le laisser taper. Je vais être à 2 PV, mais ça va me resservir une carte supplémentaire. Et je pense qu'au tour suivant, ça risque de me mettre vraiment bien. Par contre, c'est stylé, les animations. Oh, le virus. Et là, du coup, normalement, c'est fini pour lui. Là, il a plus rien à faire. Ok, c'est à mon tour. Alors, une carte énergie. Voilà. Attendez, que je fasse pas n'importe quoi. Oui, oui, on va faire ça. Hein. Je vais mettre une carte énergie, les amis. Voilà, hop, parce que de toute façon, j'en ai deux autres, des C18. Je réfléchis un petit peu en même temps. Donc là, j'ai 6 énergies. Donc, je vais lui rajouter un autre freezer. D'accord. Comme ça, j'ai deux cartes à 30 000. C'est quand même pas mal. Et celle-là, hop. Oui, 30 000, un KO, ça va détruire le Gotenks. Voilà. Et ça me coûte 2 énergies. Voilà. Et là, normalement, Gotenks, bye bye. Voilà, hop. Hop. Voilà. Ça, voilà. C'est ce que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure, mais il n'y avait pas la carte sur Terre. Au moins, là, il y avait la carte. Donc voilà. Déjà, il est dans la sauce. Parce qu'il n'a plus qu'une carte de côté. Donc voilà, hop. Maintenant, faut qu'il voit. Il n'a plus qu'une carte de côté dans sa main. Il est dans la sauce. Il est à court de cartes. Donc, il n'a pas assez de ressources. Hein. Ça commence à être chaud pour lui. Tandis que moi, je suis quand même bien servi, là. Ok. Black Kamehameha, il a fait... Alors, vous voyez pas parce qu'il y a ma caméra, mais là, il a fait une carte extra. Une carte blanche, hein, comme moi, j'ai fait. Et là, il a pris 40 000. Ok. Donc, lui, par contre, ça lui a donné de la défense. Donc là, il va contrer. Il va tanker. Ok. Je connaissais pas sa carte. Hein. Je connais pas son deck. Hein. Ok. Donc, ok. C'est pas grave. J'ai encore Freezer, j'ai encore Goku. Et là, maintenant, là, t'es dans la sauce, gamin. T'es dans la sauce. Parce que là, normalement, bah, tu te la prends. Et ouais, bim, hop, et un PV en moins. On est à deux partout. Et là, maintenant, le Goku. Hop, voilà. Ça m'a tiré une carte, c'est parfait. J'ai pas besoin de combo. Encore, attends, parce que, ouais, il a une carte en main. Ouais, bah, c'est bon. Bim, hop, il se retrouve à un PV. Très bien. Là, maintenant, j'ai des cartes pour tanker s'il y a besoin de tanker, s'il se met à m'attaquer. Il a deux cartes en main. Donc, ok. Let's go. Ok, donc là, maintenant, il a trois cartes. Il a 5 énergies, 3 cartes. Moi, j'en ai 5 et après, j'aurai 6 énergies. Du coup, j'ai... ah oui, il faut savoir une chose. J'ai oublié de vous le préciser. C'est vrai que je suis en train de jouer. Vous avez la valeur d'attaque en haut à droite. Par exemple, Tenchinan, c'est 15 000. Et la valeur défensive, c'est à gauche, plus 10 000. Vous voyez, c'est pas les mêmes valeurs. Hein. Attention, j'ai oublié de le préciser aussi. Ok, il a reposé un Trunks à 30 000. Très bien. Donc vous voyez, à gauche, dans l'encadré noir, plus 10 000 pour Tenchinan. Et dans l'encadré noir en haut à droite, plus 15 000. 15 000, valeur d'attaque. À gauche, valeur défensive. Ok, il a rajouté également le Piccolo. Oh, par contre, il a quand même des grosses cartes là. 30 000, 20 000. Attends, faut pas que je fasse n'importe quoi quand même, là. Parce qu'il lui reste plus qu'un PV, mais ça peut aller vite. Hein. Ok, il va vouloir taper. Il va vouloir taper à 30 000. Donc là, si je mets le combo, ça va rajouter 10 000 en valeur défensive, mais... Est-ce que je prends le risque de le laisser me taper? Vas-y, je prends le risque. Bim, ok. On est à 1 partout. Parce que du coup, ça m'a redonné une carte. C'est ça qui est intéressant. Et maintenant, je vais sans doute pouvoir bien tanker derrière. Si jamais il essaie de m'attaquer là. Ok, 10 000. Ok. Donc là, moi, il va falloir que je mette deux cartes. Voilà. Hop. Je pense. Attendez, je regarde. Ouais. Hop, voilà. Comme ça, je suis à 30 000. Et il faut que j'en rajoute encore une autre.
On va faire. Ouais, peut-être le C17. Voilà, comme ça je suis à 40 000. Comme ça je vais tanker son attaque. Et du coup, je regarde. Voilà, c'est bon. Donc là, il va taper 30 000, mais j'ai 40 000. Donc hop, la faux de Rosé, elle m'a rien fait. On est bon là. Ok, donc là, c'est pareil. Il va vouloir taper. Je vais remettre une carte pour combo en défense. Donc là, tu vois, vous avez les valeurs à gauche, comme j'ai pu vous le dire. Le Birus, c'est 5000. Bah, je vais mettre le Birus, hein, comme ça, 25000, hop. Voilà. Comme ça, s'il tape à 20000, il peut rien faire. Bim. Voilà. Parfait. Là, normalement, je pense que c'est bon. Si je dis pas de conneries, parce que là, il a tapé avec tout, hein. Et du coup, ça va être à moi. Et là, quand je vais taper, bah, il est finito. Il va être finito, le bonhomme. Surtout que là, j'ai le Goku Blue dans ma main. 5 énergie, tout ça. Il a abandonné. Il a abandonné. Voilà. Il a abandonné, les amis. Voilà. Donc, victoire. Bon, c'est un peu le cafouillage. Je vous le cache pas parce que je découvre avec vous. J'ai commencé à comprendre un peu les règles, je fais des erreurs de ouf, je pense. Ceux qui connaissent bien Card Game m'en voulaient pas. Pour ceux qui jouaient déjà à Card Game, moi, c'était pas mon cas. Par contre, je suis preneur de conseils. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis, quand on sera en live, etc., à me donner des conseils. Comme ça, bah, on va essayer de s'améliorer. Mais déjà, dans un premier temps, il faut absolument que j'arrive à bien maîtriser les règles du jeu. Et une fois que ce sera vraiment bien maîtrisé, etc., qu'on connaîtra bien les cartes, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse des trucs assez lourds. En tout cas, je kiffe le style du jeu. Vous avez les cartes en physique. Vous voyez, j'ai même les decks, etc. Hein. C'est à partir du 16 février que ça sort officiellement. Là, c'est la bêta. Donc, pour l'instant, on n'a que des cartes digitales. Mais une fois que vous aurez les cartes physiques, vous avez un code à rentrer. Vous récupérez le perso. Et ensuite, vous partez au combat. Merci à vous. Max de pouces bleus en mode Genkidama, les amis. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao! Mettez un pouce bleu sur la vidéo de Sofiane le Geek. Sinon, la colère de Freezer s'abattra sur vous.